Après un BEP de comptabilité, il part faire son service militaire à Djibouti. Démobilisé, il exerce le métier d'employé de bureau à Bordeaux, puis reprend ses études à 25 ans. Il passe un du carrière sociale, une licence de lettres à l'ESIC de Bordeaux et un diplôme d'instituteur. Parallèlement, il se produit sur scène en amateur. C'est à l'IUT qu'il fait la connaissance d'Yves Comon. Se noue entre les deux hommes une amitié artistique. Bernard Blancan est acteur dans plusieurs courts-métrages de Comon puis fait une apparition dans Amour d'enfance et joue le rôle principal de Cache-Cache, un film sélectionné dans le cadre de la quinzaine des réalisateurs au Festival de Cannes 2005. Entre-temps, c'est avec Peau d'homme cœur de bête d'Hélène Angel qu'il commence une carrière parisienne. Cet indigène de Rachid Bouchareb, qui le révèle au grand public. Pour ce film, il est couronné, avec Samy Bouajila, Roche Dizem, Sami Nasseri et Jamel Debbouze, d'un prix d'interprétation au Festival de Cannes 2006. En 2011, il réalise le documentaire Retour aux sources qui retrace son apprentissage de sourcier, comme métaphore de la rencontre avec son père biologique. Lui-même sourcier, lutin du court-métrage Meilleur film documentaire 2013. En 2012, il publie Secret de sourcier, aux éditions Erol et Journal d'un comédien. Du footing aux palmes chez Jacques Flamand Éditions, suivi, 2 ans plus tard, par Si j'étais guérisseur aux éditions Erol. En 2013, il réalise Ogre niais, un court-métrage présenté dans les festivals de Clermont-Ferrand et de Puteaux. Parallèlement, il continue de tourner pour le cinéma. Nos passarans d'Éric Martin et Emmanuel Cossé. Hors la loi de Rachid Bouchareb, la French de Cédric Jiménez. Il apparaît dans de nombreux courts-métrages et tourne aussi beaucoup pour la télévision. Dans des téléfilms comme La Bicyclette Bleue, Louise Michel, L'été des Lipes, et des feuilletons à succès tels qu'Un village français.